Bonjour tout le monde. Je vais ouvrir Entrée Libre, un événement que j'ai préparé depuis un an. Bon, je ne suis pas du tout à l'aise, je n'ai rien préparé au niveau de la présentation. Donc je vais certainement bégayer en cours de route, donc excusez-moi déjà en avance. Entrée Libre, c'est l'idée, ça fait 10 ans que... Donc René, qui était là juste avant moi, a mis en place au Centre des Abeilles. Donc c'était aussi c'est pour remercier René et le Centre des Abeilles d'avoir... Arrête de faire le clown. D'avoir mis en place ce système-là. Donc les distributions d'ordinateurs, c'est... les gens s'inscrivent. Nous, on récupère des ordinateurs dans les administrations. On les reconditionne, on les met sous Linux, donc sous GNU Linux. En l'occurrence, on met Ubuntu ou l'Ubuntu dessus. Et ensuite, les gens viennent chercher les ordinateurs, donc par groupe de 10, 12. Et puis voilà, donc, et ça gratuitement. Donc je voulais faire quelque chose. Je suis sur un réseau social qui s'appelle Mastodon. Et donc, j'ai demandé aux copains, est-ce que vous avez envie de venir avec moi faire cet événement? Et donc, tous les conférenciers qui vont venir sont mes mastopotes. Et puis, dans la salle aussi, il y en a aussi. Tout ça pour vous dire aussi qu'Internet, on peut rencontrer des gens et on peut aussi les voir en vrai après. C'est pas juste que du virtuel, on peut aussi créer des liens. Et des liens qui sont forts, et puis les gens, ils peuvent venir vous aider. Donc, merci à ce réseau et aux gens qui sont inscrits dessus. Et puis, voilà, je vais laisser la place à Stéphane, qui va faire sa conférence. Il est même trop tôt, hein. Je savais bien qu'il fallait pas que je vienne parler. Salim, le directeur du centre, va venir vous dire un petit mot. Et puis, merci beaucoup d'être venu. Bonjour, alors moi je rentre de vacances, je suis arrivé ce matin, c'était le bordel, il y en a partout. Donc je suis content parce que en fait c'est vrai que, comme le disait Brigitte, ça fait un an qu'elle prépare ce projet qui s'appelle Entrée Libre. Et c'est 3 jours de conférences qui vont nous servir en fait à comprendre un peu dans quel environnement numérique on évolue. Et pour moi c'est un peu aussi une découverte puisque je ne suis pas du tout... un adepte des logiciels libres et de Masto, etc. Mais je suis intéressé par ce qui s'y fait et comment est-ce qu'on peut aujourd'hui comprendre un peu les enjeux de tout l'environnement numérique. Pour votre info aussi pratique, il y a des jeunes qui préparent des sandwichs pour ceux qui veulent rester à midi. Il y a également une buvette. Donc elle a pensé à tout, hein. Brigitte, elle est super organisatrice. Donc je voudrais remercier vraiment son investissement. Et puis, vous souhaitez une bonne conférence, voilà. Et vous voir peut-être sur les 3 jours. C'est tout ce que j'avais à dire. À toi.